Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite bibliothèque du Sceptique, une vidéo où je propose de répondre à une question qui revient souvent, à savoir quels sont les ouvrages que l'on vous conseille pour vous intéresser au scepticisme. Alors évidemment, d'emblée, il n'y a pas une bibliothèque idéale, il y en a plein, ça dépend de votre sensibilité, et cette bibliothèque, ce sera la mienne, c'est-à-dire c'est les ouvrages que j'ai pu ramener, c'est-à-dire qui sont chez moi. Il y en a d'autres qui sont très conseillables et que je n'ai pas, voire que je n'ai pas lu, parce que je n'ai pas tout lu, y compris dans la littérature qui est liée à la pensée critique, évidemment. Sentez-vous libre de conseiller vos propres livres de référence en commentaire de cette vidéo. Je vais commencer par vous parler de celui-ci, de « Au cœur de l'extraordinaire ». Historiquement, c'est un des premiers, c'est Henri Brock, et ça retrace en gros toutes les thématiques habituel et classique en esthétique, c'est-à-dire lié au paranormal. Tous les phénomènes dits extraordinaires, c'est le titre du bouquin, et dans lesquels on a beaucoup de récits, beaucoup de témoignages, beaucoup de croyances, et en général assez peu de faits lorsqu'on s'y intéresse, mais on peut s'intéresser. Et donc dans ce bouquin-là, l'idée c'est quelles questions on doit se poser avant de croire aux ovnis, avant de croire à la télékinésie, avant de croire que Stonehenge a été créé par une race supérieure ou par une civilisation très avancée. Quelles questions on peut se poser et en fait, on peut souvent tester les hypothèses, mais ce n'est pas une activité qui est privilégiée par les tenants croyants. Au cœur de l'extraordinaire, donc, de Henri Brock, à la maison d'édition Bookie Book, une maison d'édition qui est la seule en France qui soit spécialisée dans la pensée critique. Et donc, ils ont une collection qui s'appelle « Une chandelle dans les ténèbres ». Et cette collection d'une chandelle dans les ténèbres, il y en a maintenant plus de 50 exemplaires. Plus de 50 numéros. Vous avez historiquement parmi les premiers Esprit critique et Tula, avec des exercices qu'on peut faire, notamment avec des enfants et des jeunes classes. Donc c'est pas mal ça comme outil pédagogique, ce livre-ci. Dans cette collection, il y a plein d'autres petits fascicules, des livres qui se lisent assez vite. Celui-ci, c'est d'Henri Brock, c'est le numéro 1 de la collection, c'est l'art du doute. Donc zététique, c'est l'art du doute. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une vision synoptique très très résumée de ce que c'est que la zététique selon Henri Brock. Évidemment, c'est pas le seul à avoir un avis sur ce que c'est que la zététique. Toujours Brock, comment déjouer les pièges de l'information. Et puis, il n'y a pas que lui, hein, il y a plein d'auteurs. Ici, il y a, pour la question des électrosensibles, est-ce que les ondes de téléphone peuvent être dangereuses pour la santé? Il y a des fascicules sur les ravages des faux souvenirs, sur les théories du complot autour du 11 septembre, sur le placebo, sur l'horoscope, sur le hasard, les coïncidences, sur les crânes de cristal, qui ont donné lieu à un film infâme, et plein d'autres bouquins. Et le numéro 41, c'est le mien, c'est celui-ci, qui parle de la vie après la mort. Je crois que c'est le 41, c'est ça, c'est 41. Donc évidemment, je vous le conseille, évidemment, je pense que ce bouquin sur la vie après la mort est un des mieux, est un des meilleurs, est un des plus intéressants, est un des plus scientifiques sur le sujet en français. Il y a sûrement plein de choses qui existent ailleurs, n'hésitez pas à nous les conseiller. Donc voilà, ça c'est la petite famille Bookie Book et la maison d'édition qui est vraiment dédiée à la pensée critique. Et donc par conséquent, mon conseil personnel, c'est si vous aimez ce genre de sujet et que vous voulez que ce soit traité de manière sceptique, eh bien, donnez un coup de pouce à cette petite maison en allant sur le site de Bookie Book ou en demandant à votre libraire d'en avoir en rayon, puisque c'est une maison qui est très mal distribuée dans les librairies et donc qui arrive difficilement devant les gens. Et si vous ne cherchez pas activement ces livres-là, bah, vous ne les trouvez pas. Donc c'est pour ça que je vous les donne en premier. Mais il y a plein d'autres choses qui sont au moins aussi bien. Et donc dans les grands classiques, j'ai les grands classiques qui sont ici. Dans les grands classiques des livres de la pensée critique que je vous conseille vraiment, vraiment par-dessus tout, alors on a ça, on a Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens par Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, ce sont deux Québécois qui sont des chercheurs en psychologie sociale et qui relatent dans ce livre de 250 pages leurs propres travaux sur comment est-ce qu'on peut obtenir que les gens qui, à une question, à une demande, une requête, nous diraient non, et ben nous disent oui. Et donc c'est plein de petites méthodes comme ça qui sont employées dans le marketing, dans la publicité, par les managers aussi pour obtenir que leurs collaborateurs leur disent oui au lieu de non. Et c'est plein de petites techniques. Quand vous savez comment ça marche, vous êtes plus attentif à la manière dont les gens cherchent à vous manipuler. Et donc c'est vraiment un livre qui peut vous aider à résister à la manipulation. Et donc c'est le livre le plus important de tout ce que j'aurais à vous dire, je crois, celui-ci. Il est assez proche dans l'approche
de chercheurs qui vulgarisent leurs travaux de celui-ci. En l'occurrence, je l'ai en anglais, mais il existe également en français. Là, c'est Thinking Fast and Slow. En français, c'est Système 1, Système 2, Daniel Kahneman. Chercheur en psychologie sociale également, prix Nobel d'économie en 2008. Dans ce livre, Daniel Kahneman retrace sa carrière, les expériences qu'il a faites avec son collègue Tversky, qui est mort avant le Nobel. Et comme le Nobel n'est jamais posthume, il ne l'a pas eu, mais certainement qu'il l'aurait mérité aussi, sur la manière dont, en gros, ça parle des biais cognitifs. C'est vraiment un des standards sur les biais cognitifs. Les biais, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un alpha, un oméga en pensée critique, mais c'est quand même un outil très important pour comprendre pourquoi il y a un décalage entre ce qu'on pense raisonner et les raisonnements qu'on fait en réalité. Et ce livre, c'est une mine d'or là-dessus, sur la manière dont on arrive à des conclusions qui nous paraissent parfaitement justes et des conclusions qui sont parfaitement fausses, parfois, parce qu'on raisonne trop vite, parce qu'on a des systèmes d'inférence heuristique qui sont hyper efficaces et qui nous amènent donc à avoir un sentiment de vérité par rapport à ce qu'on conclut. Mais ce sentiment de vérité, il n'est que faiblement corrélé à la véracité de ce qu'on croit. Et donc, il faut être prudent. Et donc, c'est un livre qui appelle à la prudence. Et la prudence, c'est la première des vertus pour un sceptique. Voilà, ça, c'est deux livres vraiment hyper importants. Après, dans les grands classiques, idem, là, je l'ai qu'en anglais, c'est parce qu'il n'est pas traduit en français, celui-ci n'existe pas en français. Que faites-vous, messieurs, dames, les éditeurs? Carl Sagan, The Demon Haunted World, donc un monde hanté par les démons, sur les croyances, sur plein de choses, et sur la manière dont un scientifique porte un regard là-dessus. Donc, Carl Sagan, c'est le monsieur qui a créé le documentaire Cosmos, qui a été repris dernièrement par Neil deGrasse Tyson. C'est lui qui l'a fait dans les années 80. Grand vulgarisateur, astronome, etc. Donc, un livre de référence. Autre livre francophone extrêmement important et qui est moins corrélé à la science, mais plus aux médias, Petit cours d'autodéfense intellectuelle par Normand Maillargeon, illustré par Charbon, qui est un livre, voilà, qui vous montre des graphes, qui vous parle d'articles, de prises de parole, d'énoncés, et qui vous montre comment, en fait, toutes ces choses-là, qui regorgent d'informations vraies, peuvent malgré tout mentir, puisqu'on donne à voir une partie, ou alors on donne un certain angle de vue, et ce petit cours-là, qui est pas un gros livre, hein, mais qui a plein d'exemples, c'est vraiment, voilà, un des classiques de la pensée critique. Si vous voulez être zététicien, sceptique, et exercer votre pensée critique de manière efficace, avoir ça dans la bibliothèque, c'est pas mal. L'avoir en tête de temps en temps, c'est vraiment une référence. Ensuite, Impostures intellectuelles de Alan Sokal et Jean Bricmont, qui reprend ce qu'on appelle l'affaire Sokal, c'est-à-dire quand Alan Sokal a publié un faux article dans une revue de sciences humaines en utilisant tout le jargon pompeux, plein de métaphores et vide de sens, en fait, d'une partie des sciences humaines et sociales de l'époque. Son article s'appelait « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ». Donc, vous menez du quantique à voilà, tout un tas de trucs. Et ce livre-là, voilà, rappelle l'imposture que représente la prise de parole et l'ascendant intellectuel de certains grands auteurs, Lacan, Kristeva, Bruno Latour, Baudrillard, Deleuze, Guattari et d'autres, qui exploitent du vocabulaire scientifique de manière métaphorique, en le vidant de leur sens, donc, mais tout en voulant se prévaloir de la nature scientifique de ce qu'ils racontent. Bah, c'est une imposture, et donc le bouquin porte bien son nom, et c'est important d'avoir une connaissance de cette page de l'histoire de la pensée critique qui a été, voilà, qui a été très mal vécue par une certaine intelligentsia académique qui d'un seul coup s'est rendu compte que oui, les gens hors de leur domaine de compétences pouvaient avoir un regard critique sur leur production, et ce regard critique a fait assez mal. Ensuite, dans le même genre, il y a le livre de Jacques Bouvresse, Prodige et vertige de l'analogie, qui fait la même critique sur l'usage abusif de la métaphore, l'exploitation littéraire de concepts scientifiques, qui les vide totalement de leur sens et qui est très dangereux parce que ça entretient l'illusion que ces mots-là peuvent être utilisés dans n'importe quel contexte par tout le monde. Et c'est ce que font les gourous, c'est ce que font les pseudo-thérapeutes, c'est ce que font les gens qui ont un discours dangereux. Et donc les gens qui font des sciences humaines et sociales devraient ne pas vouloir faire la courte échelle à des propos qui peuvent être dangereux.
Je reviens à, encore à Henri Brock avec « Devenez sorcier, devenez savant », un livre qu'il a écrit avec Georges Charpak, prix Nobel de physique, et qui reprend là aussi des phénomènes d'illusion, de croyance, pour pas se faire avoir. C'est du classique également. Après cela, on a ce livre-là de Alexandre Moati, « Alter Science », qui est très intéressant parce qu'il fait des portraits comme ça de chercheurs ou de gens qui sont passés par les sciences et qui sont des théoriciens. Les gens viennent avec leur théorie sur la relativité, pourquoi elle serait fausse, leur théorie sur l'énergie, sur plein de choses. Et en fait, ce sont des gens qui ont une formation scientifique, qui sont souvent ingénieurs, mais qui sont détachés de la démarche scientifique, qui ne sont pas à jour de ce que la science produit, mais qui veulent avoir le droit de dire bah, « moi aussi je sais », et donc qui sortent comme ça des bouquins très épais, des théories très touffues, et qui s'étonnent que le monde scientifique ne leur dise pas « amen ». Mais ce ne sont pas des gens qui sont totalement « outsiders », c'est pour ça qu'il dit « alter science », ce ne sont pas des gens qui sont en dehors du monde de la science, ils ont bien un pied dans la science, ils en maîtrisent certains aspects, mais parce qu'ils maîtrisent certains aspects, il y a une sorte d'effet Dunning-Kruger, vous savez, cette autocomplaisance que l'on a, ce jugement où on se croit plus compétent qu'on l'est en réalité, et ce sont des gens qui n'acceptent pas le verdict de la communauté des scientifiques, des experts, qui leur disent « votre théorie, désolé, mais elle n'est pas intéressante, elle n'est pas nouvelle, ou elle exploite quelque chose dont on sait que c'est faux, arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, il ne faut pas rester là. » Et c'est des gens qui vont persévérer et qui vont souvent trouver des réseaux alternatifs, secondaires, dans lesquels ils vont pouvoir briller et faire valoir leurs compétences. Et c'est assez dommage, hein. Donc voilà, « Alter science, posture, dogme et idéologie » par Alexandre Moati. Ensuite, dans la famille des sceptiques, il y a un sociologue qu'on connaît bien, qui est Gérald Brunner, qui a fait vraiment, qui a plein de bouquins, il écrit très vite et très bien, et il y en a deux en particulier que je trouve vraiment intéressants, qui sont « La démocratie des crédules », qu'on voit totalement à l'œuvre dans la diffusion des théories du complot et des fake news et des fake science dans les médias, c'est-à-dire comment se fait-il que l'information fausse réfutée est complètement illogique et un succès considérable au sein d'une démocratie qui est censée fonctionner correctement, qui est censée donner la parole à des gens qui savent plutôt qu'à des gens qui ne savent pas, mais le côté démocratie fait qu'on estime que chaque voix compte au même niveau. Or, c'est pas vrai en science. En science, ce qui compte, c'est la manière dont la parole a été construite et la méthode qu'on a mobilisée pour produire un énoncé. C'est pas le fait que Jean-Michel a le droit d'avoir raison autant que Jean-Marc. Oui, mais si Jean-Marc a utilisé une méthode solide, alors sa parole, elle a plus de valeur. Et en démocratie des crédules, ça marche pas comme ça. Et puis, il y a la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, qui met un pied dans le radicalisme, dans le fanatisme. Comment ça se fait? Comment ça marche? Comment on se radicalise? Et c'est pas uniquement en matière de religion. Il y a des radicalisations dans tous les domaines de l'idéologie et des croyances. On en voit, il y a des gens qui sont extrêmement radicalisés par rapport aux ovnis. Il y a une violence terrible contre les sceptiques dans les médecines parallèles. Donc, et peut-être même qu'il y a des sceptiques, des gens qui sont dans cette démarche éthique et qui peuvent eux aussi acquérir une forme de radicalisation dans certains aspects de leur jugement. Personne n'est à l'abri, et donc ce livre est intéressant justement pour voir un peu les mécanismes et comment ça se produit. Ensuite, par Sébastien Degas, qu'on a également reçu dans la tranche en biais, dans la tranche en live, le livre Total Bullshit, qui s'intéresse à la production du bullshit, c'est-à-dire tous les énoncés qu'on croise, et qui, en réalité, ne servent qu'à mettre en valeur la personne qui énonce les choses. Donc on a cet effet gourou, la personne qui énonce des trucs, et ça fait vachement bien. Et ça met aussi en valeur, d'une certaine manière, le sentiment d'être spécial de celui qui va recevoir l'info et qui va la partager, et qui va la diffuser. Et donc c'est lié à la post-vérité, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent avoir le droit d'avoir leur propre version du réel, et leur propre voie d'accès au réel, et sans qu'on vienne leur dire que ça marche pas parce que ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir le sentiment que dans qui ils sont, ils ont une connexion avec le réel. Mais parfois, c'est quand même le meilleur moyen de se faire manipuler par ceux qui savent ce qu'ils font, quoi. Donc un livre très intéressant également, ce Total Bullshit. Alors dans les thématiques classiques de la zététique et de la sacrétique, il y a tout ce qui est ufologie, et là,
Moi, je ne suis pas un expert, mais je connais Patrice Serret et Francine Cordier, qui sont les auteurs des dossiers de SO. Donc là, c'est le numéro 7, il est extrêmement épais. Et donc, c'est des gens qui vont enquêter, ils travaillent notamment avec le GEPAN, qui vont enquêter pour reprendre les témoignages. Ils vont sur les lieux, ils trouvent les brochures de presse de l'époque. Ils y vont parfois 20 ans après, 40 ans après, ils voient les gens qui étaient là sur les lieux. Et avec un respect total pour les témoins et pour les gens qui veulent croire à leur version, ils viennent avec des outils méthodiques pour vérifier les hypothèses. OVNI en Belgique, sur la vague qu'il y avait eu en Belgique, ici, histoire d'OVNI. Si vous voulez vous intéresser aux OVNI, il faut avoir lu ce genre de choses. Parce que c'est eux qui savent comment on s'intéresse à la question. Encore Henri Brock et Georges Charpak, gourou, sorcier et savant. En fait, cherchez tout ce que Brock a écrit, et regardez si ça vous intéresse. En général, c'est quand même pas mal du tout. C'est encore une fois du classique. Ensuite, là, j'ai deux livres très intéressants et qui n'existent pas en français. Enfin, si, je pense que celui-ci a été traduit, mais la traduction, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ici, c'est Predictably Irrational. Vous êtes irrationnel mais prévisible, par Dan Ariely, qui est un chercheur également en sciences de l'économie, en sciences cognitives, et qui relate ses travaux à lui sur comment est-ce qu'on perçoit la valeur des choses. Comment les individus lambda attribuent une valeur à des objets, et comment cette valeur qu'ils leur attribuent peut être manipulée par le contexte. Donc c'est extrêmement intéressant sur le fait qu'en fait, on peut anticiper vos choix, en termes d'achat en particulier, mais en termes de la valeur que vous accordez à des expériences, à des voyages, à des formations, à des objets. Donc, petit livre, hyper intéressant. Là, celui-ci, je ne pense pas qu'il existe en anglais. Alors là, évidemment, là, c'est là où vous allez voir que la personne qui vous parle est biologiste à la base. Ma bibliothèque sceptique, elle est orientée sciences du vivant plus que vers d'autres dimensions. C'est pas un défaut, c'est pas une qualité, c'est une particularité du fait que je suis qui je suis. Donc, si on pose la question des livres de référence à quelqu'un qui est plutôt versé en sociologie ou plutôt versé en histoire, il aura d'autres livres de référence qui sont aussi des références certainement à suivre. Mais moi, je vous dis ceci, c'est Daniel Dennett, Darwin's Dangerous Idea, et en fait, c'est parce que c'est extrêmement intéressant de comprendre le darwinisme, parce que le darwinisme qui est la descendance avec modification puis sélection naturelle est extrêmement intéressant parce que dans le monde des idées, d'une certaine manière, même si c'est pas suffisant, ça éclaire un petit peu comment ça fonctionne, à savoir que les idées aussi sont sélectionnées, les idées aussi peuvent se dupliquer de cerveau en cerveau, peuvent avoir des mutations, être modifiées, les rumeurs, les légendes urbaines ont des variantes, et certaines variantes sont extrêmement efficaces, d'autres le sont moins. Et donc, quand on comprend les principes darwiniens, on regarde différemment la vie, on regarde différemment la manière dont on croit les choses et le sens de la vie. Et c'est un bouquin extrêmement épais que j'ai lu il y a longtemps maintenant, donc je ne peux pas vous en faire un résumé, mais c'est un livre qui me fait forte impression. Donc je vous le livre pour vous forger une pensée critique qui tient compte des principes darwiniens qui sont fondamentaux. Hein. Il y a la gravitation, il y a l'électromagnétique, et puis il y a les principes darwiniens comme loi universelle qui sont peut-être un petit peu moins bien formulés mathématiquement, mais qui sont extrêmement importantes à avoir à l'esprit pour comprendre des choses. Donc ce livre, voilà, c'est un biologiste qui vous le recommande, il est très très bien. Au-delà de la biologie, il y a tout ce qui va être les sciences, en particulier les sciences médicales. Et là, vous avez Simon Singh et Edzard Ernst, on l'avait interviewé chez nous, qui sont des spécialistes des médecines alternatives. Et là, vous avez voilà, un bouquin qui vous fait en gros le bilan, il date de 2014, donc il n'est pas encore périmé, hein, sur acupuncture, phytothérapie, chiropraxie, homéopathie et d'autres. Qu'est-ce que ça vaut? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme travaux? Enfin, d'abord, d'où ça vient? Quel est le corpus théorique? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on a comme travaux qui valident ou qui invalident le contenu? Et est-ce qu'on vous le conseille ou est-ce qu'on vous le déconseille? Donc, en termes de santé, c'est un livre de référence. En biologie, il y a également tout ce qui va être lié à la psychologie et aux sciences du cerveau et de l'esprit. Et en France, on a un problème majeur qui s'appelle la psychanalyse. Lisez le livre noir de la psychanalyse, c'est un gros livre. Il est extrêmement touffu, il est extrêmement référencé. Il est impossible de vous faire un résumé maintenant, évidemment. Mais si vous avez des doutes sur la psychanalyse, ou même si vous n'en avez pas,
Lisez-le, vous serez beaucoup plus savant après qu'avant. Évidemment, moi j'ai tout oublié parce que c'est ma particularité, j'oublie les choses que je lis. Mais c'est un livre de référence. Donc la bibliothèque sceptique de référence, il faut l'avoir chez vous. Autre livre de biologiste en biologie et par rapport à la théorie de l'évolution, on a un problème, c'est que c'est une théorie qui n'est pas aimée par les gens, qui est beaucoup rejetée, et donc on a des créationnismes. La France n'est pas le pays le plus touché par le créationnisme, évidemment et heureusement, mais quand même, et donc on a ce livre de Guillaume Lecointre, « Les sciences face au créationnisme, réexpliquer le contrat méthodologique des chercheurs », et c'est un livre qui prend le créationnisme pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un chercheur dans le champ social, qu'est-ce qu'on attend d'un chercheur, qu'est-ce qu'on n'attend pas d'un chercheur, quelles sont ses obligations morales, quelles sont ses obligations méthodologiques. Qu'est-ce qu'il peut ou ne pas faire, qu'est-ce qu'il peut ou ne pas dire en tant que chercheur. Après, en tant qu'individu, c'est autre chose. Et donc, c'est un livre qui remet un peu l'église au milieu du village, et c'est fort bien. Autre livre de référence pour un biologiste, c'est Le jeune égoïste de Richard Dawkins, qui vous offre un point de vue différent pour comprendre la biologie, le vivant et l'évolution, qui est imaginer que les gènes individuels qu'on a dans notre génome étaient les véritables agents de l'évolution. Si c'était eux qui évoluaient et que les organismes n'étaient que des véhicules pour le gène. Alors c'est extrêmement métaphorique, c'est extrêmement réducteur, mais c'est extrêmement puissant pour poser plein de questions et avoir des réponses solides sur comment on peut mieux comprendre la théorie d'évolution. Et moi je suis extrêmement fier parce que je suis allé chez Richard Dawkins dans sa maison et il m'a signé ce livre qui est le mien, j'avais il y a longtemps. Donc j'ai mon livre dédicacé de Richard Dawkins et je suis pas un peu fier. Tant qu'on est sur la biologie et la théorie d'évolution, je me permets de vous glisser celui-ci. C'est le mien. Alors je ne sais pas si c'est un livre de référence à voir dans toutes les bibliothèques sceptiques, mais c'est un livre qui avait pour ambition, et j'espère que c'est réussi, d'expliquer pourquoi la théorie de l'évolution nous explique pourquoi les croyances se construisent comme elles se construisent et pourquoi elles perdurent. L'évolution est un phénomène qui produit des cerveaux humains qui sont conformés de telle manière que la théorie de l'évolution leur est un petit peu insupportable. Et c'est toute l'ironie de l'évolution, et c'est ce que j'ai fait dans ce bouquin, qui me semble intéressant, eh bien, mais évidemment, comme c'est le mien, méfiez-vous. Autre livre lié aux sciences du vivant, c'est « L'abominable secret du cancer ». On avait reçu son auteur Frédéric Thomas dans La tronche en biais il y a quelque temps maintenant. Et un petit peu comme « Le jeune égoïste » de Richard Dawkins, c'est un livre qui change la perspective des choses pour nous expliquer qu'on n'avait rien compris au cancer. Pour comprendre le cancer, il faut le mettre dans le contexte de l'évolution, encore une fois, sur le temps long, et comprendre qu'un organisme comme un être humain, un mammifère, c'est une structure très organisée avec plein de cellules individuelles qui chacune renonce à être toute puissante et immortelle pour assurer une fonction, pour interagir, communiquer et se conformer à des règles qui assurent que l'organisme fonctionne et peut transmettre les gènes. Et le cancer, c'est quand ces règles sont violées pour X raisons, parce que le code génétique d'une cellule, d'un seul coup, revient dans un mode primitif, antérieur à la pluricellularité, et retrouve des manières de se comporter qui ressemblent à des organismes unicellulaires. Et quand on comprend ça, on peut mettre au point des stratégies différentes pour lutter contre le cancer. On est déculpabilisé par rapport au fait que le cancer peut se produire comme ça sans qu'on ait rien demandé. Et c'est extrêmement éclairant, extrêmement enrichissant. Et c'est un livre qui peut changer comment vous voyez les choses, vraiment. Et c'est pour ça que c'est une référence, pour moi, en termes de pensée critique. On va rester sur la santé. Je vous glisse le mien, encore une fois. Ceci, c'est moi. Donc, connaissez-vous l'homéopathie ? De toute évidence, en France, on aime beaucoup l'homéopathie et c'est certainement lié au fait qu'on la connaît mal. Si les gens connaissaient mieux l'homéopathie, ils se méfieraient davantage. Mais ce n'est pas suffisant pour accepter de ne plus y croire parce que l'homéopathie n'est pas simplement une pratique de soins. C'est une idéologie, de manière générale. En tout cas, elle colle à une vision du monde qui est très opposée à la philosophie scientifique, matérialiste dans sa méthodologie, de la médecine moderne. Et donc, c'est pas suffisant de dire à quelqu'un « l'homéopathie ne marche pas » pour qu'il arrête d'y croire. Et là-dedans, vous pourrez comprendre pourquoi. Un dernier livre sur la santé de Fernand Gouthière, journaliste qu'on a aussi reçu dans La tronche en biais, et donc son livre « Santé, science, doit-on tout gober ?»
C'est aussi un classique, c'est-à-dire qu'il reprend aussi un peu les grandes lignes avec les grands outils pédagogiques qu'on connaît tous, et il prend plein d'exemples tirés de la presse sur, ou des expériences en psychosocial sur pour comment ça se fait qu'on arrive à croire tant de choses en termes de santé, comment ça se fait qu'on a autant de médecines différentes, parallèles, complémentaires, qui ont un succès fou, alors que les preuves manquent. Donc, voilà, c'est fort intéressant. Autre sujet classique de la zététique, mais qui est souvent maltraité, c'est l'astrologie. Donc là, vous avez un livre qui est très dense, très touffu, très complexe, que je n'ai pas pu finir, parce que le sujet ne me passionne pas assez, mais l'auteur du livre, en plus vous le connaissez, il s'y connaît, c'est Serge Bret-Morel. L'astrologie, la fin des mystères, et ça c'est le tome 1, et après il a un tome 2, je ne sais même pas s'il est sorti encore. Et donc c'est un ex-astrologue lui-même, qui était vraiment versé, très très versé dans l'astrologie, au-delà de l'horoscope bête et méchant qu'on connaît, il y a vraiment plein de calculs sur les constellations, sur les planètes et leur transit. Et donc lui, pendant longtemps, il a cru à cela, et puis il s'est heurté quand même au constat que les astrologues n'appliquent pas vraiment les règles qui devraient être les leurs, qui ne sont pas d'accord entre eux et qui peuvent arriver à des conclusions diamétralement opposées à partir des mêmes données de départ, et qu'en réalité, le ciel réel et le ciel des astrologues est totalement différent. Et les sceptiques, en général, on s'amuse à trouver ça ridicule, mais lui, il va vraiment au contact du contenu réel de ce que font les astrologues, de ce qu'est l'astrologie, entre guillemets, savante, pour montrer que ça marche pas, mais surtout qu'il faut pas se contenter de dire « Ah, précession des équinoxes, donc caca », qui est le niveau auquel moi je me situe, je suis pas expert au-delà de ça, je sais que la précession des équinoxes est quelque chose qui fout en l'air l'horoscope, mais le reste de l'astrologie n'est pas forcément impacté par ce problème de la précession des équinoxes. Et donc c'est un livre très dense, et c'est sans doute ce qu'il y a de mieux sur l'astrologie, si vous n'avez pas peur d'une lecture ardue et technique, avec ça vous serez armé pour savoir ce qu'il en est. Autre thème classique de la zététique, c'est le paranormal. Et là, vous avez le petit livre de Jean-Michel Labrassard, 60 questions étonnantes sur le paranormal. Donc c'est un résumé, c'est très court, et donc vous avez plein de sujets. Donc retrouve-t-on des proches décédés durant une expérience de mort imminente, par exemple? Les témoins de phénomènes surnaturels vont-ils consulter? Est-ce que c'est des fous? Est-ce que les gens qui voient des fantômes, est-ce que c'est à cause de traumatismes infantiles? Plein de questions comme ça sur au-delà des faits en eux-mêmes, sur les questions qu'on se pose sur le paranormal, et c'est bien fait, et il connaît bien le sujet, donc à lire sans problème. Après, il y a ce livre-là, qui sort un petit peu de ce dont je vous parle, mais qui est fondamental, c'est Factfulness. Alors, il faut se méfier, un fait brut, ça n'existe pas. Il y a toujours un contexte dans lequel le fait est produit, dans lequel le fait il est énoncé, et dans lequel on est motivé ou pas à en parler. Donc il y a plein de contextes. Mais n'empêche que dans les graphes, dans les données, notamment démographiques, écologiques, économiques, il y a des manières de présenter les choses qui sont plus objectives, plus neutres, plus fidèles, plus honnêtes que d'autres. Et quand on regarde les choses, c'est un livre qui est profondément positif, optimiste, sur l'état du monde actuel. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les indicateurs sur l'état du monde, le monde va de mieux en mieux. Alors, en termes d'indicateurs de développement humain. Il y a d'autres indicateurs écologiques où c'est pas la joie, mais et ça rappelle de comment regarder les données la manière la plus honnête possible, les données les plus propres, les données les plus complètes, pour juger sur des choses solides et pas sur simplement le sentiment qu'on peut avoir de ce qu'on voit dans les médias, de ce qu'on lit dans les bouquins qu'on achète ou dans les bulles des réseaux sociaux dans la vraie vie ou dans le numérique. Donc c'est un livre de Hans Rosling. Tapez son nom, Hans Rosling, sur YouTube, et il a fait plusieurs conférences extrêmement bien faites, avec des animations de graphes qui bougent, et c'est un homme extrêmement... Il est mort juste avant que le bouquin sorte, mais c'est hyper intéressant. Vous avez également, dans tout ce qui est sciences humaines, à l'interface de différentes sciences, une discipline quasiment inventée par Mehdi Moussaïd, qui est la fouloscopie, l'étude des foules, l'étude scientifique des foules, comment se comporte une foule physiquement, mais aussi comment résonne une foule, comment l'information peut diffuser. C'est un livre qui est assez court, qui relate le parcours de chercheur de Mehdi, encore avec ses travaux, et puis pourquoi est-ce qu'il les mène. Passionnant, on l'avait reçu dans la tranche en biais également. Collègue vidéaste,
Nathan Heutendahl, l'art d'exprimer son désaccord avec la cible de Graham. Et ben voilà, comment vous comportez bien dans les débats, les pièges à éviter, dans la posture qu'on aborde, qu'on adopte, dans les arguments qu'on choisit d'utiliser et dans la réaction qu'on a aux arguments de l'autre. Nathan n'a rien inventé, évidemment, il est comme moi, il vous vulgarise des concepts hyper intéressants de manière à ce qu'on débatte mieux. On a de la marge, on peut s'améliorer. Livre atypique qui retrace l'histoire de la philosophie de Giordano Bruno, Galilée jusqu'à Descartes, puis Voltaire, etc. Hérétique de Steven Nadler et Ben Nadler, qui est un bouquin. Alors, c'est de la bande dessinée, on aime ou on n'aime pas le style du dessin, mais n'empêche que la manière dont c'est écrit, ce qui est génial, c'est qu'on comprend pourquoi tel penseur à telle époque a émis telle théorie. C'est parce que avant lui, il y avait telle autre personne, il y avait autour de lui tel contexte, telle question qui se posait, telle solution proposée, et lui est arrivé en montrant que la solution qu'on proposait, elle n'est pas suffisante. Et c'est ça, de génération en génération, à chaque fois, on arrive en disant la réponse qu'on avait jusqu'à présent, c'est pas mal, hein, mais c'est pas suffisant. Et donc moi, je propose un petit peu mieux. Et donc on a des gens qui sont hérétiques, dans le sens où ils remettent en question la vérité qui était admise à leur époque. Et autrefois, ça se payait très cher, parce que Giordano Bruno, on l'a cramé, Galilée, il a dû s'attracter. C'était assez brutal d'être un hérétique. Et en fait, les hérétiques, ce sont les gens qui sont sceptiques. Alors, il y a des hérétiques complètement fanatiques, mais le sceptique est forcément vécu par le dogmatique comme un hérétique. Donc soyez des hérétiques éclairés. Celui-ci, vous le connaissez peut-être déjà, Quand est-ce qu'on biaise, c'est moi, voilà. C'est le bouquin qui reprend les travaux de La Tronche en biais, en version augmentée. Je ne vais pas en dire plus. Si vous estimez que c'est une référence, tant mieux, ça me fait bien plaisir. Sinon, les autres sont suffisants pour vous occuper pas mal de temps. Je finirai avec un livre extrêmement beau, extrêmement gros, voilà. Qui s'appelle « Et l'homme créa les dieux » et qui est une adaptation par Joseph B. en bande dessinée, très jolie d'ailleurs, avec une mise en scène intéressante, avec un repas, avec des gens qui rencontrent Pascal Boyer, qui est l'auteur du livre « Et l'homme créa les dieux » que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, je l'ai ce livre, et c'est un livre extrêmement important pour moi. « Et l'homme créa les dieux » c'est un livre qui m'a été très utile pour écrire mon livre sur la théorie de l'évolution. Sur pourquoi est-ce qu'on croit ce qu'on croit, et qui, en fait, prend un petit peu le... Enfin, qui est très sceptique, c'est un livre qui s'interroge sur le jugement qu'on porte sur ce qu'est une religion, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le regard qu'on porte sur à quoi ça sert une religion, à quoi ça sert une croyance, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la nature d'une croyance, et quelle est la nature des êtres qu'au cours de l'histoire on a appelés des dieux, ou des ancêtres, ou des êtres surnaturels, qui interagissent avec l'humain. Tout ça, en fait, la plupart des croyants, évidemment, mais des non-croyants aussi, portent des jugements un peu rapides sur la nature de ces objets, de ces objets-là. Et Pascal Boyer remet un peu les choses à plat en faisant des comparaisons anthropologiques de différentes cultures, et en montrant que, qu'on soit croyant ou sceptique, on a des préjugés sur ce que c'est qu'une religion. Et donc, on s'était dit qu'on aurait plein de leçons à prendre de ce livre-là pour moins caricaturer les croyants et leurs croyances. Et c'est hyper utile pour les croyants aussi, pour qu'ils comprennent bien, qu'ils remettent un petit peu en perspective leur mode de pensée, la manière dont ils héritent des croyances que d'autres ont eues avant eux, et de pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait qu'ils les poursuivent et qu'ils les cultivent, ces croyances. Sans doute que c'est plutôt pour des raisons qui ne sont pas logiques, sans doute que c'est pour des raisons qui ne sont pas celles qu'on entend et que les gens se racontent à eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est toujours le décalage entre les raisons qu'on se donne de faire les choses et les déterminismes réels par lesquels nous sommes conduits, bon an, mal an, avec ou sans notre libre arbitre, vers cette question. C'est ce décalage-là qui donne de la place à la pensée sceptique. La pensée sceptique, elle est dans ce décalage-là. Elle n'explique pas les choses, la pensée sceptique, mais elle dit, attention, là, entre le réel et ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on croit, il y a de l'espace, et cet espace-là, il faudrait qu'on l'explore un petit peu pour se rapprocher du réel. Et donc, ces livres-là, moi, ils m'ont beaucoup aidé personnellement. Ce sont des livres qui appartiennent au parcours d'une personne, c'est moi,
qui part de quelque part. Moi, je viens d'études en sciences et en biologie. Et évidemment, il y a plein de dimensions de la pensée critique qui sont absentes de cette vidéo. Il ne faut pas m'en vouloir pour autant. Peut-être que vous pourrez comprendre mieux pourquoi je dis ce que je dis par rapport aux références que j'ai. Et peut-être que vous pourrez me conseiller, d'ailleurs, je vous encourage, conseillez-moi quels sont les livres qui, selon vous, manquent à ma culture, manquent pour que dans les futurs contenus, je sois un peu plus tourné vers des notions qui font défaut dans ce qu'on fait actuellement. Ça me sera utile à moi, ça sera utile aux gens qui me font confiance et qui font confiance à l'équipe de la Tronche en Biais. Dans tous les cas, lire des livres nouveaux, étonnants et qui offrent des points de vue différents, subversifs, c'est rarement une perte de temps. Voilà. Donc je vous encourage à faire ça. Lisez plus, lisez mieux et prêtez vos livres aux gens autour de vous qui pourraient en avoir besoin, mais il faudra penser à les rendre aussi. Donc peut-être que j'ai prêté mon livre « Et l'homme créa les dieux » à quelqu'un et qu'il faudrait que je le demande. C'est peut-être ça qui s'est passé. C'est sûrement ça qui s'est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu longue jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, partager. Comme d'habitude, le succès de la chaîne que vous regardez, il est dû en partie, en bonne partie, au fait que vous êtes motivé pour partager. Croyez bien que les gens qui croient des conneries sont très motivés à les partager, beaucoup plus que nous en général, et que leur chaîne connaisse des croissances étonnantes et que chez nous, on stagne. Il y a peut-être de bonnes raisons, peut-être qu'on fait ça mal, mais si vous pensez que ce qu'on fait, c'est pas mal fait, et que ça mérite d'être vu, eh ben c'est vous qui avez le pouvoir de partager. Voilà, merci pour votre soutien, merci d'incarner dans votre vie personnelle, autour de vous, l'exemplarité de ce que c'est qu'être un sceptique ouvert, curieux, qui ne juge pas trop, et qui résiste aux injonctions et aux dogmatismes. On a besoin de vous, c'est grâce à vous que le monde sera mieux.